Info du jour, s'il vous plaît. On nous dit qu'un joueur a 17 ans. Quel est le joueur comme ça? Nathan Douala. Ok, il y a eu quoi? Il part à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. C'est quand il rentre au Cameroun qu'on nous apprend que ce joueur-là avait menti sur son âge. On n'avait pas contrôlé avant. Et c'est passé devant une grande institution qui est la Fédération Camerounaise de Football. Là, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Expliquez un peu bien, s'il vous plaît. Nathan Douala a été suspendu de la Ligue Camerounaise de Football parce que selon eux, il fait usage d'une double identité. Donc c'est son âge qui fait problème alors? Son âge fait polémique sur la toile depuis quelques jours. Ce n'est pas donc vrai qu'il a 17 ans? Quand tu vois Nathan Douala, quand tu le vois pas que c'est son enfant qui peut avoir 17 ans. Maman. Eh, le père, n'exagère pas aussi. Quand tu le vois, est-ce qu'on peut abattardir tout un peuple comme ça? Jamais. Donc, il n'a pas 17 ans. Mais quand on voit un homme de 17 ans, on voit son physique, on voit sa morphologie. Quoi d'autre? On voit sa barbe, on voit ses cheveux, on voit sa calvitie. On se dit que vraiment, 17 ans, c'est peut-être abusé. C'est vrai que les gens coupent l'âge, mais il a coupé, il a aussi trop exagéré. Et pourquoi c'est maintenant qu'on découvre cela? Je te dis que les influenceuses, elles ne font pas que manger l'argent, elles ne font pas que sucer l'argent, mais elles donnent aussi le ndoutou. C'est quoi le ndoutou? La malchance. La mère, c'est ça qu'on appelle ndoutou? Je suis déjà vieille pour répondre aux questions comme ça. Tu vois? Je ne vois rien. Un peu tardé, voici les images. Est-ce que tu vois? Ah, j'ai vu maintenant. Et on te reproche seulement de ne pas suivre les gens qui font les bêtises. C'est de la sauvagerie. Non mais, laissons ça, ça c'est une blague. Parlons plus sérieusement. Ok, qui peut mieux nous expliquer cette affaire? Depuis quelques jours, cette affaire fait le buzz dans les réseaux sociaux. C'est vrai. Et ça a suscité beaucoup d'interrogations. Imaginez un peu. Ça a suscité beaucoup de curiosité. En vrai? Ça a suscité beaucoup d'enquêtes. Bro, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne sait pas ce qui s'est passé. Et la suite, c'est quoi? Et actuellement, à l'heure où je vous parle là, voilà Nathan là, il risque de nous mettre dans le ndem pas possible. C'est-à-dire? Douala Nathan risque de faire en sorte que les Lions Indomptables ne participent pas aux deux prochaines cannes. Vraiment, petit frère, calme-toi. Non, écoutons-le, c'est sérieux. C'est pas moi qui dis. Qui dit alors? Parce que non seulement on dit qu'il a coupé l'âge, mais aussi on l'accuse de double identité. Là, ça devient vraiment sérieux. Je te dis que... Donne-nous les deux identités. Parce que dans son âge de 17 ans là, il s'appelle Nathan Douala. Et dans l'autre? Et maintenant, dans sa double identité, dans l'autre, son autre identité, il s'appellerait Batelli. Si c'est Batelli, si c'est quoi, bon. Bref. Allez, ferme ta bouche. Donc, toi, tu ne connais pas. Tête de prune. Non, pas d'injure. Qui a même annoncé cette info? Le journal Le Monde. Le journal Le Monde a mené une enquête et c'est eux qui ont découvert beaucoup de choses. Ce que je veux savoir, c'est Nathan seul ou bien ils sont nombreux? Tous les joueurs là. Dans le club qu'il veut favoriser, le club de Opopo. 7. Faut s'y dater. Et ce n'est pas les 2-3 ans, ici. C'est les 10 ans. C'est des vieillards. Yeah. Vraiment, je suis étonné. C'est diabolique. La FECAFOOT, c'est quoi ton problème? La FECAFOOT, encore vraiment. Quel est le problème de la FECAFOOT aujourd'hui? Toi-même, dis-nous. Vous permettez de mettre un joueur comme Nathan Douala sur le banc? Même pas ça. Vous décidez de l'exclure clairement de la Ligue Camerounaise de Football parce que vous estimez que le gars, voilà, a menti sur son âge. Donc c'est faux. Mais attendez, le plus important c'est l'âge du joueur ou bien sûr ses compétences sur le terrain. Qui peut répondre à cette question? Non mais, monsieur le président de la Fédération Camerounaise de Football, Papa Eto, nous on a l'habitude ici là de supporter la Fédération Camerounaise de Football. Nous on a l'habitude, n'est-ce pas, d'empêcher, n'est-ce pas, que certaines personnes vous lancent à la verdure populaire. Comment est-ce que vous avez pu... Vous êtes passé à côté d'une information aussi cruciale? Point d'interrogation. Et après on va dire que quoi? Après vous allez commencer à se casser, on va dire qu'ils sont allés... Donc la faute c'est la FECAFOOT alors? Vous-même vous décidez dans votre mafia, dans votre système pourri là, de créer des conditions vraiment... je veux dire des conditions infernales pour pousser les joueurs et dans ces conditions là, les joueurs sont obligés de couper leur âge même par 7. Ils découpent,
l'âge est devenu comme le saucisson. Et c'est quoi le problème maintenant? Quelqu'un qui a 17 ans, il a déclaré avoir 17 ans. Nous nous sommes indignés lorsqu'on a appris qu'il disait qu'il a 17 ans. Ça me fait vraiment pitié. À cette époque-là, vous n'avez pas vu que vous pouvez faire des recherches, mener des enquêtes pour voir s'il dit la vérité sous son âge? La malédiction. Ah, je demande, quel est même le but de couper l'âge chaque fois? Maintenant, ils arrivent avec ça là pour essayer d'avoir même un petit 5 ans de carrière, petit même 8 ans de carrière comme ça, pour même un peu remplir le frigo. Donc dans cette misère là, vous trouvez encore le moyen de prendre des joueurs comme Nathan Douala et de le mettre en suspension parce que vous estimez qu'il n'a pas été correct, qu'il a menti sur son âge. Est-ce que c'est sérieux, monsieur l'Africa Foot? Monsieur qui, papa? Monsieur l'Africa Foot. Hein? Jamais. En tout cas, ce que je retiens de Nathan Douala, c'est un bon danseur de mollet. Ah bon, hein? Bonne chance, Nathan. À chacun son problème. Oui, oui. À chacun son problème. Yeah, yeah. À chacun son problème. Voilà, cher Bengis, désormais faites comme Franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Etetat, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kwaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descend Pharmacie du Soleil. Juste une précision, Mr. Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Ok, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.